Le texte qui suit est la copie in extenso d'un article de janvier 2020 du bulletin municipal de Luce-Lacroix-Haute. Étoile ferroviaire de Vaine, enfin des travaux sur la ligne Gap Grenoble. Victoire, oui, peut-être, mais prudence. La ligne Grenoble Vaine a enfin des perspectives d'avenir. Le 4 décembre 2019, lors du dernier comité des financeurs. Le tour de table, a permis de mettre sur la table un peu plus de 30 millions d'euros, c'est à ce jour, la somme avancée par la SNCF, pour, dans un premier temps, remettre la ligne en service, avec les conditions de sécurité nécessaires. C'est la première étape, d'une victoire au long cours. Une victoire due à la mobilisation conjointe des citoyens, réunis au sein du collectif de l'Étoile de Vennes, et des élus. Plusieurs manifestations tout au long de cette année 2019, que nous savions décisives, ont maintenu la pression. Le gouvernement avait commandé un rapport au préfet Philizo. Nous l'avons rencontré pour lui expliquer l'importance pour nous de cette ligne dite fine. Dans son rapport, il a été surpris de l'unanimité des interventions qui sont remontées jusqu'à lui. Les élus se sont réunis avec les associations et les collectifs dans un cadre studieux, coopération pour l'étoile de Venne. L'objectif commun était de démontrer l'importance de la ligne, tant au présent que dans un futur proche. Nous pensons, et avons affirmé l'importance de la place du transport collectif, et ferré, dans le cadre de la transition énergétique. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebari est venu sur place prendre le train, nous l'avons accompagné, notre discours insistant ne lui a apparemment pas gâché le plaisir de ce petit voyage en train. J'ai pu nous rappeler à son bon souvenir, lors du Congrès des maires à Paris, où j'ai eu l'opportunité de le croiser, lors d'une séance de questions au Sénat. Plusieurs rencontres ont aussi eu lieu avec les vice-présidentes et les vice-présidents, au déplacement des deux régions. Des interpellations auprès de la présidente du département Marie-Pierre Mouton, ont-elles aussi permis une prise de conscience départementale? Le soutien de nos parlementaires, et pour la Drôme, notamment de Bernard Buis, sénateur, de Célia de Lavergne et de Marie-Pierre Monnier, sénatrice, ont eux aussi participé à cette belle unanimité. La commune de Lus-la-Croix-Haute s'était elle aussi engagée à participer à l'investissement, 4 000 euros, comme la métropole grenobloise, 2,3 millions d'euros, mais proportionnellement à sa population. Le dernier comité des financeurs, l'État, les deux régions, les trois départements, la métropole grenobloise, et la commune de Lus-la-Croix-Haute, ont acté le plan de financement. Le préfet de région présidant la séance a proposé, non sans ironie, à la commune de Luce, de garder sa participation pour organiser l'inauguration, soit. Nous, nous tiendrons nos engagements. La SNCF s'est engagée à un rythme que l'on aurait aimé plus efficace, mais qui semble réaliste. Cela nécessitera une coupure de plus d'un an, de 2021, jusqu'à l'automne 2022. D'ici là, la mobilisation de tous reste nécessaire. Nous devons être vigilants, pour que la SNCF, qui dit si, réponde aux exigences de l'État, respecte sa parole, et les délais annoncés. Vous êtes invité, le samedi 15 février à LUS, à la salle des fêtes, à l'Assemblée générale du collectif de l'Étoile de Vennes, qui viendra rendre compte dans le détail des avancées et des points de vigilance à surveiller. Par ailleurs, la commune s'est rapprochée de la SNCF pour, dans le cadre de l'aménagement du carrefour de la gare entrée nord du village, récupérer un matériel ferroviaire déclassé. Un chasse-neige viendra donc trôner sur le carrefour, pour rappeler l'histoire ferroviaire de notre commune, et rappeler l'importance de la voie ferrée. Le maire, Alain Materon.